Relever deux aspects de l'intervention de M. Bamba. Non, je pense que quand on part du mauvais postulat, l'analyse est forcément fausse. Mme Gbagbo a été invitée au Congrès, César et tout peut le témoigner. Les faits sont là, ça c'est les faits. Maintenant, si vous contestez ces faits, forcément vous allez analyser l'article de mon journal autrement. Donc, quand on s'entend sur la vérité des faits, le reste, vraiment, c'est des commentaires. Que moi, je considère que c'est ça pour moi l'information, mais pour moi, c'est ça l'information et ça, le journal l'assume. Parce que pour nous, c'est une information. Le fait qu'elle soit absente au Congrès, elle a été invitée, elle n'est pas venue. C'est une information. Et je pense que ne vous contentez pas souvent de regarder seulement la titrologie et puis faire des opinions. Nous avons traité. Nous, patriotes, nous avons traité, nous avons été invités par les services de communication, nous avons couvert le congrès du PPA. Mais je n'attendais pas du patriote qu'on couvre le congrès du PPA comme la voie ou bien le temps le ferait. C'est pas, je vais dire, notre façon de voir, c'est pas la ligne de notre journal, c'est pas l'engagement que nous avons. Ensuite, vous avez dit encore, par rapport à ce que le président Samba a dit, que les journalistes se laissent dicter. Je pense qu'il faut quand même que les intellectuels, les opinions apprennent quand même à nous respecter. Je l'ai dit que c'est des positions que nous assumons. En tant que nous aussi, intellectuels aussi, en tant que nous aussi, j'ai des gens qui ont été formés, je ne reçois pas, en tout cas moi pour ma part, chaque matin, un appel de qui que ce soit pour me dire voici la une qu'il faut mettre. Par rapport à ta question, chère Agnès, l'indépendance. Il faut, je vais dire souvent, arrêter cette espèce d'hypocrisie intellectuelle. Il y a quel média aujourd'hui dans ce monde-là qui n'a pas une pression économique, qui n'a pas une pression morale, qui n'a pas une pression politique ou sociale? Comme je cite un seul exemple. Un média est effectivement financé par quelqu'un. Je connais des journaux ici qui ont dit qu'ils ne sont pas politiques, mais ils sont créés par des opérateurs économiques. Et ils ne parlent pas de ces opérateurs économiques en mal dans les journaux. Ce qui est normal, je n'écris pas un journal pour me créer des problèmes. Vous prenez la presse française, que ce soit TF1, que ce soit Libération, que ce soit... Il y a tous des groupes financiers importants qui sont derrière ces journaux-là. Mais la pression économique qui sont derrière ces journaux... Donc, c'est vrai, l'indépendance et le moral, je parle plutôt moi de responsabilité. C'est de ça qu'il est question. Il faut être vraiment responsable. Quand on traite l'information, je l'ai dit tout à l'heure, il faut respecter les faits, il faut les vérifier, il faut essayer d'être autant qu'on peut objectif, parce que pour moi, tout est subjectif dans le rendu d'un journaliste. Merci Charles, merci beaucoup. César, article 9 du Code de déontologie, je sais que tu as été un acteur central de toutes ces réflexions qui ont abouti à la production de ce document précieux. Être indépendant vis-à-vis des forces économiques. Non, il faut le thème plutôt. Donc, revenons donc à l'article 9 donc, du Code de déontologie, journaliste du Côte d'Ivoire, qui stipule que tout journaliste professionnel doit être indépendant vis-à-vis des forces économiques, politiques, syndicales et religieuses. Au regard du thème, au regard de votre posture, votre dédoublement entre professionnalisme et parti et militantisme, comment vous rendez possible le respect de cet article ou d'autres éléments importants du code de déontologie, ce qui est donc la colonne vertébrale de la pratique professionnelle du journalisme en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Merci Agnès. Je pense que les fondamentaux de l'information et les principes du journalisme permettent de répondre à cette question. Vous savez, le code de déontologie, qui est notre loi à nous, d'abord des principes à suivre. Mais dans le même temps, il faut constater avec moi que l'indépendance du journaliste est limitée même par le choix d'une ligne éditoriale. Quand vous êtes dans un journal, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dans un média. Il y a ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, je pense que le journaliste doit véhiculer une information
de sources crédibles pour quitter le champ de la rumeur. Il doit véhiculer une information fondée, recoupée, vérifiée pour être vraie. Il doit véhiculer une information diversifiée et équilibrée pour quitter le champ étroit de la calomnie. Sur les principes, j'en ai retenu trois aussi. Le journaliste se bat pour la liberté d'expression ou la pluralité des opinions. Ça, tout le monde le sait. Il doit être objectif. Alors, je remplace ce thème-là, en tout cas dans ma pratique à moi, par le terme honnête. Parce que l'objectivité est difficile, en vérité, à canaliser. Alors que l'honnêteté, elle est tout de suite visible ou pas. Et troisième principe à respecter, c'est donc l'indépendance, mais dans le seul cadre de la ligne éditoriale dûment acceptée par le journaliste lui-même. Je voudrais donner un exemple pour justifier ce que je dis. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a une radio internationale qui est très écoutée. Comme nous sommes dans l'espace francophone, il s'agit de RFI. Mesdames et messieurs, depuis deux ou trois jours, nous apprenons à travers cette radio que la junte militaire au Mali a décidé de demander à la France une révision des accords de défense passés entre le Mali et la France. Mais le média mondial se garde de nous dire ce qu'il y a à l'intérieur de cet accord qui doit être révisé. Quand vous écoutez les journalistes qui donnent l'information au journal radio diffusé, on a l'impression que le Mali a décidé de provoquer inutilement l'État français. Or, quand vous écoutez les proches du pouvoir malien, de la junte, vous apercevez que cet accord qui a été signé en 2013 pour permettre à la France d'aider le Mali à lutter contre les djihadistes qui avançaient sur la capitale, eh bien, dans cet accord, on interdit formellement à l'armée malienne d'avoir accès à des parties de son propre territoire. Voilà l'information qui est contenue dans cet accord. Mais RFI se garde tranquillement de nous dire cet aspect-là. Il faut écouter ceux qui veulent réviser cet accord de défense pour savoir ce qui se passe. Je comprends. Hein. RFI, c'est une radio française qui fait la propagande des actions du gouvernement français. Est-ce qu'aujourd'hui on peut s'asseoir ici pour dire que RFI ne traite pas de façon professionnelle l'information? C'est une question que je renvoie au public. Est-ce qu'on peut dire que RFI est une radio indépendante ou qu'elle ne l'est pas? Ça aussi, c'est une question que je renvoie. En suivant, je voudrais dire que si le paysage médiatique en Côte d'Ivoire est ce que nous constatons aujourd'hui, c'est parce que, au retour au multipartisme, l'ancien parti au pouvoir a gardé pour lui seul tous les médias existants. Ce que je dis peut certainement être certifié par mon maître à moi, celui qui m'a recruté dans ce métier, le président Raphaël Lakoué, qui est là. Bon, à partir de ce moment,
au cours d'une séance de formation animée par un certain monsieur Jean-Paul Grésard, éminent journaliste, formateur à l'Institut national audiovisuel de Paris. Je lui ai posé la question de savoir, bon, nos journaux sont trop politisés. Parce que moi, je suis arrivé sur le marché du, du journalisme en 91. Comment on règle un tel problème? Le monsieur m'a dit, vous savez, vous êtes à peu près dans la même situation que la France après la Deuxième Guerre mondiale. Vous êtes divisé entre les, vous ici, entre les adeptes du multipartisme et ceux qui luttent pour la continuation du parti unique. De la même façon qu'en France, il y a ceux qui étaient appelés les patriotes, les résistants, et puis il y avait ceux qu'on appelait les, bien sûr, les traîtres, hein, et les collabos. Voilà, exactement. Voilà ce que M. Jean-Paul Grésard m'a dit. Alors, il a ajouté que dans l'évolution, nous allons traîner à peu près cette division qui est une tare pendant longtemps, mais qui contribue à la pluralité des opinions. Et c'est ce que je constate aujourd'hui. Vous voyez qu'on parle, pour la première fois, Charles Sanga et moi, on parle de la même voix. Lui, son indépendance est enfermée dans la ligne éditoriale dessinée par les patriotes. Moi, mon indépendance à moi est enfermée dans la ligne éditoriale autrefois dessinée par la voix, notre voix, mais maintenant par la voix originale. Chère Agnès, voilà donc ce que je peux dire. Mais entre tout ça, il faut savoir rester professionnel et honnête pour qu'on puisse vous tracer dans l'évolution de votre carrière. Merci. Merci, mon cher César. Docteur Bamba Sidiki, vous avez écouté donc ces journalistes professionnels et militants de partis politiques. Et leurs analyses convergent, hein. Comme dit César, ils parlent de la même voix dans leurs différences, ils disent les mêmes choses, ils sont d'accord sur des choses essentielles. Pour eux, il s'agit de pouvoir donc respecter à la fois une indépendance limitée par la ligne éditoriale, qui elle est encadrée par le parti politique duquel dépendent donc ces journalistes et donc le journal qu'ils dirigent, mais surtout être soucieux d'une information de source crédible, qui soit fondée, qui soit recoupée, vérifiée, qui soit diversifiée, équilibrée, qui soit l'expression à la fois de pluralité d'opinion et de liberté assumée, mais en même temps qui soit objective et honnête. La question que je vous ramène est toujours celle en lien avec le sujet. Peut-on être journaliste, militant, et être crédible, et avoir le sens de l'équilibre dans le traitement de l'information? Bien. En tout cas, pour ce que nous a été donné d'observer, c'est qu'il est très difficile d'être militant et d'être journaliste. À vrai dire, si on est militant et qu'on décide de faire le métier de journaliste, le journal qu'on crée est un journal de parti. Il faut aussi ça l'assumer. Si vous avez un journal de parti que vous écrivez pour ce parti, ça ne pose de problème à personne. Je vous donne la garantie, c'est parce que j'ai fait mon enquête auprès de gens qui ne sont pas ivoiriens. J'ai présenté à des amis français des journaux ivoiriens. Pour eux, c'est un ensemble de journaux sur le territoire national. Alors qu'ici, quand j'ai fini, je lui ai dit, dans mon pays, on les classe en journaux bleus et en journaux verts. Mais qu'est-ce que ça signifie? Il dit, oui, j'ai dit voilà, essentiellement, merci pour cette haute coloration. Et donc il y a une conscience nationale due au lectorat où les journaux sont classifiés. Vous convenez avec moi que cette classification déjà dénote du parti pris des uns et des autres. Il y en a qu'on n'arrive pas à classer, on dit équilibriste. Non, ils ne sont pas équilibristes.
l'Inter et autres ne sont pas des journaux équilibristes. Peut-être qu'eux, ils tendent quand même à être des journaux, entre guillemets, dits indépendants. La définition de Charles, qu'il donne de l'indépendance, et de César, surtout, qu'il donne de l'indépendance, on ne peut pas être indépendant en étant encarté. Ce n'est pas possible. À moins que nous donnions une autre définition au mot indépendant. Vous êtes dépendant de vos partis politiques, vous êtes dépendant de vos journaux. Ça, il faut l'admettre. Peut-être qu'à l'intérieur, vous avez les coudées franches. Vous pouvez le dire. Nous avons l'un de nos aînés dans cette salle-là, Bamba Alex Suleiman, qui, si je ne me trompe, écrivait à Fraternité Hebdo. Voilà. Il est là, il donnera peut-être, s'il prend la parole, qu'il donne l'exemple du PDCI, qui, lui, il a fait, il y avait un journal de parti. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Si nous sommes un journal de parti, assumons le fait d'être un journal de parti. Ça ne tournera à personne que vous ayez fait votre choix. À preuve, vous êtes des militants de parti, vous êtes des hommes politiques. Vous avez la double casquette. Mais en même temps, cette double façon fait que sur le métier que vous êtes en train d'exercer, ce n'est pas que ça plombe le métier, mais ça, c'est une sorte de critique qu'on fait contre vous. Parce qu'on considère que parce que vous êtes homme politique, vous n'assumez pas pleinement, vous ne faites pas bien votre travail de journaliste. C'est ce que l'on vous reproche. Maintenant, vos lignes éditoriales, si elles sont connues en tant que telles, elles ne peuvent pas vous empêcher d'être objectif. Les lignes éditoriales ne peuvent pas vous empêcher de dire ce qui est quelquefois vrai. Permettez aux lecteurs que nous sommes d'être très à l'aise avec vos journaux, de l'acheter. J'ai été proche d'un homme politique qui une fois m'a dit tes amis journalistes là, est-ce qu'ils ne savent pas qu'on n'aime pas acheter leurs journaux? J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, non, quand moi je sors le matin, je prends Fantété, le matin, je prends Le Jour. Le Jour, il y avait Diego Bailly et d'autres journalistes. Ils écrivaient des choses, mais nous étions dans ce pays-là et on a vu ces choses qui étaient bien écrites. Oui, je rejoins César et tout, quand il prend les exemples de Laurent Donoff Legault, de Jean-Pierre Raillé, pourquoi ne remettons pas en cause leur professionnalisme? C'est dans leur écrit. Ce sont les écrits, c'est que dans les écrits, il n'y a pas de doute. S'ils sont dans la chronique, ils sont dans la chronique. S'ils sont dans le reportage, ils sont dans le reportage. Ils ne sont pas devenus journalistes parce qu'ils étaient bons chroniqueurs. Ils ont fait peut-être des très belles enquêtes, ils ont fait des choses qui étaient suffisamment objectives pour pouvoir permettre aux lecteurs que je suis d'être très à l'aise avec leurs papiers. En France, quelqu'un de gauche peut lire le journal Le Figaro. Ça ne le gêne pas de lire l'éditorial. Parce qu'il sait que ce journaliste qui est en train d'écrire, même s'il est à droite, il ne va pas, en tout cas, se déculoter à tel enseigne qu'on ne puisse pas, en fait, perdre son caractère de professionnel. Donc ici, il est très, très difficile d'allier les deux. D'allier les deux parce qu'effectivement, comme l'a dit Charles Changa, les pressions existent. La pression, d'abord, elle est économique. Il le dit, quelqu'un finance le journal. Ce n'est pas qu'il veut forcément qu'on ne parle pas mal de lui, mais ceux qui sont là-bas ne vont pas mal parler de lui. On fait du zèle. On le voit également à la RTI, on fait du zèle. M. Ouattara est venu quand il a commencé à gouverner en 2011-2012. Il n'y avait à la télévision aucun communiqué, comment on appelle ça, tout ce qui passe avec nos images là. Et voilà, sous le parrainage, le patronage, la direction, la sous-direction des temps, c'était rare. Mais aujourd'hui, c'est revenu. C'est revenu comme si les Ivoiriens aimaient bien ça. Sous la présidence d'eux, sous le parrainage d'eux, sous la présence effective d'eux. Tous ceux-là ne seront pas là, soyez sûrs. Et maintenant, celui-même qui sera là, son nom doit être là. C'est d'une absurdité incroyable. Et nous avons vécu nationalement dans ça. Il y a un environnement qui fait que, depuis toujours, le journalisme tel qu'on le conçoit, ce sont dans les titres chocs. J'ai deux titres chocs ici. 1995, La Voix titre. Bédier était là, Le Malheur aussi. Vous convenez avec moi? 2000, décembre 2000, 4 décembre 2000, Le Patriote titre, Trop c'est trop. Ce n'est pas de l'information dans les deux cas. Je suis désolé, ce n'est pas de l'information. Vous le saviez vous-même. En ce moment-là, c'était le combat pour le combat. Lorsque Le Patriote titre, Trop c'est trop, en divisant la Côte d'Ivoire en deux, sur une carte d'ailleurs qui était une carte administrative, entre guillemets, un peu fausse, dans la mesure où ce n'était même pas la carte du temps de Guy Robert,
On comprend tout ce qu'il y a dit. Et après, les amalgames ont été faits. Lorsque la rébellion a commencé, on a dit c'est parce que les patriotes avaient divisé la Côte d'Ivoire en deux que les rebelles ont eu l'idée de diviser la Côte d'Ivoire en deux. En ce moment-là, Charles Sanga, tu es là, Meïté a été interviewé, il a essayé de se défendre en disant à l'époque, il y avait une injustice. L'injustice, c'est que M. Ouattara n'a pas été admis à être candidat en tant que député. C'est ce que nous étions en train de décrier. Je suis allé faire mes recherches. À l'époque, il y avait 4 candidats de RDR dont les candidatures ont été recusées. Mais le journal a fait croire qu'une seule candidature avait été recusée. C'est de la manipulation. Simple manipulation. Et les exemples foisonnent comme ça dans le champ médiatique ivoirien. C'est ce que nous déplorons. Oui, il y a la pression économique. Oui, il y a la pression politique. Le patriote ne peut faire autrement. Même si le patron ne parlera des audits, je prends cet exemple actuel, que si les tenants du pouvoir parlent des audits comme ils sont en train de le faire, ils ne prendront jamais sur eux de le faire. Ah, si. À quel moment? Les premiers, on était les premiers à écrire dessus. D'accord. Ah, une folie, hein. Ah si, j'ai dit, mes collègues sont là, on a tous les journaux, tous les jours, on les prend, on les lit. Mais malheureusement, ce que tu es en train de dire, c'est parce que nous nous constatons. Oui, c'est parce que nous constatons. Vous venez après coup, lorsque le politique donne, comme on appelle, le feu vert, vous venez après coup. Alors que ce serait intéressant pour nous que pour une fois, on puisse rompre avec les amarres politiques pour que le journal joue pleinement son rôle. Merci, c'est un docteur. Rêve, peut-être que ça arrivera un jour. Merci docteur, merci. Merci, docteur. Il a dit un mot clé. Il a dit le mot lecteur. Il a dit, je veux, moi, en tant que lecteur que nous sommes, pouvoir justement consommer des contenus qui ne soient pas tenus par le politique. Et je crois que c'est à ça qu'on doit arriver ce matin, sortir de là, en tenant compte de ce qui est produit par un journal, quelle que soit sa tendance, sa ligne, sa proximité, c'est de conquérir un lectorat encore et toujours et rester sur un marché concurrentiel. Si vous le permettez, je vais donner la parole à la salle, aux personnes dans la salle, journalistes, critiques, consommateurs, étudiants. Le débat vous est ouvert maintenant que vous avez écouté nos 3 invités. Vous avez entendu 2 journalistes militants, dirigeants de journal, un universitaire, chercheur, consommateur de contenu médiatique. Et maintenant, nous vous écoutons, vous, pour prolonger la réflexion et finir avec l'espoir que veut pouvoir partager avec vous l'ANP, sortir d'ici en prenant conscience de ce que ensemble devons donc pouvoir sauver la presse, parce que nous aurons mené des réflexions pour cela et contribué à trouver des solutions pour cela. Il ne s'agit pas d'un procès. Il s'agit maintenant de faire des propositions. Les analyses ont été faites. Faites-nous des propositions. Nous sommes à la phase 3 de notre panel. Proposer entre compatibilité et incompatibilité ce qui peut être fait, ce qui peut être attendu par vous, ce qui peut être possible de faire pour que les journaux ivoiriens sortent de ce marasme qui est dangereux pour la liberté de nos opinions et la démocratie. Ce que je vais vous demander, c'est qu'on évite les analyses qui ont été déjà faites. Si vous le faites de manière brève, pour qu'on arrive à des propositions de solutions, parce que ce que l'ANP souhaite, c'est qu'on puisse sortir ici avec des pistes probables de solutions pour justement sauver la presse. Je vais laisser la parole à Germain Sewé. Merci Germain. Merci cher ami. J'ai écouté avec beaucoup d'attention et le président de l'ANP et nos amis qui sont intervenus pour nous donner des orientations, des informations. Alors, la question que je me pose, est-ce que la thérapie qu'on recherche correspond au diagnostic qui a été fait? Parce que si nous voulons rechercher des solutions, c'est en fonction des constats qui ont été faits que nous pouvons trouver des solutions valables. Alors, nos amis l'ont dit, des journalistes professionnels politiques ont prouvé véritablement que leur travail était crédible. Donc, ce n'est pas forcément parce que les journalistes politiques posent problème
la presse ne marche pas. Parce que lorsque j'ai écouté le président, la préoccupation de l'ANP, ce n'est pas que le militantisme des journalistes et politiques soit devenu aujourd'hui plus scandaleux qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Or, il pose le problème en disant quoi? Que les lecteurs ont tourné le dos à la presse papier. Que le chiffre d'affaires est passé de 6 milliards à 2 milliards. Donc la presse papier ne marche plus aujourd'hui. Alors, parce que la presse papier ne marche plus aujourd'hui, on accuse directement les journalistes politiques. Alors, je me demande, est-ce que ce constat-là peut nous amener à trouver une solution pour aller de l'avant? Parce que hier, il y a 10 ans, il y a 20 ans, on délivrait plus, j'allais dire, moins de cartes professionnelles de journalistes qu'aujourd'hui. Au moment où nous, on obtenait la carte, ou la négociant en tout cas, il y avait moins de cartes professionnelles en Côte d'Ivoire, au nom des journalistes, qu'aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui, il y a plus de journalistes qui sont formés, alors pourquoi le chiffre d'affaires passe de 6 milliards à 2 milliards? Merci, merci Germain. Donc, non, excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Pour moi, si le chiffre d'affaires descend, ce n'est pas parce que forcément le problème se trouve au niveau des journalistes politiques, mais c'est parce que les Ivoiriens ne lisent plus les journaux papier. Parce qu'il y a un concurrent qui existe aujourd'hui qui pose problème aux journaux papier, c'est l'Internet. Donc, c'est ce qu'il faut expliquer. D'accord. Parce que celui qui a vu une information aujourd'hui, tout à l'heure, sur Internet, il ne peut pas attendre demain pour acheter la même information dans un journal papier. Merci. Merci, Germain. Là, vous posez peut-être la question de l'adaptation. Ce n'est peut-être pas le sujet aujourd'hui. C'est vrai que c'est pertinent ce que vous dites. Mais c'est comment, effectivement, là, vous posez la question du média, donc du canal de diffusion. Or, là, le débat est sur le contenu. Est-ce qu'on est capable de produire un contenu de qualité quand on est journaliste et militant? Je parle de contenu. Parce que si on parle de contenu et que hier, on obtenait 6 milliards et qu'aujourd'hui on obtient 2 milliards, pourquoi le contenu peut être dégradé alors qu'il n'y a plus de journalistes bien formés qu'il y en avait 10 ans, 20 ans? Merci beaucoup. Voilà. Merci. Vous estimez qu'il y a plus de journalistes titulaires des cadres de journalistes professionnels, donc forcément la qualité devait pouvoir prendre de l'ascenseur et non le contraire. Relativement aux journalistes militants. Je vais donner deux exemples des conséquences du militantisme politique des journalistes. Premier exemple, les nazis. On n'en parle pas. Mais les nazis avaient Himmler, avaient Goebbels, qui étaient leurs propagandistes, qui étaient des journalistes militants. On a vu le résultat que le nazisme a donné. Extermination de 6 millions de juifs, dont certains sont aussi des Africains noirs. Il y avait parmi ces juifs, dans les camps de concentration, un Ivoirien. On le retrouve dans un des livres de Serge Billet. Deuxième cas de militantisme journaliste, le Rwanda. Le génocide rwandais et l'implication très forte de ce qu'on a appelé la radiodiffusion télévision des mille collines qui a participé de manière très décisive et déterminante au génocide. C'était aussi des journalistes militants. Il y a 111 livres qui ont été écrits sur la participation des journalistes militants au génocide rwandais. J'en ai acheté 108. En Côte d'Ivoire, journalisme militant,
crise de 2002, il faut revisiter ou relire ou lire le rapport du Forum de la réconciliation nationale en 5 gros volumes audio. Aucun Ivoirien, aucune Ivoirienne qui a pris la parole au cours de ce forum n'a encensé les médias ivoiriens. Bien au contraire, tout le monde a condamné les journalistes ivoiriens en invoquant et en convoquant à ce débat, à ce forum de réconciliation, l'implication des journalistes ivoiriens justement dans la survenue de cette crise dont les effets continuent encore aujourd'hui. Donc voilà aussi les titres de gloire du journalisme militant. On ne devrait pas pouvoir passer ça sous silence. Deux petits aspects qui peuvent paraître des détails. L'état médiatique de la France à la sortie de la Deuxième Guerre ou de la Seconde Guerre mondiale. C'est De Gaulle qui a décidé de créer le journal Le Monde, qui est devenu une institution. Hubert Meurey lui a écrit en décembre 1944 pour fixer le contenu et unir tous les journaux qui avaient pactisé avec l'occupant. Il ne faudrait pas l'oublier dans l'histoire de la presse française. Et dans l'histoire de la presse française, les journaux dédiés au militantisme des journalistes ont tous disparu. Il ne reste qu'une seule relique. C'est l'Humanité qui a beaucoup de difficultés. Il faut faire attention quand on parle, je dirais, du penchant politique des journaux français. On ne prendra aucun journal français qui ne critique véritablement la puissance publique. C'est vrai que les journaux français ont des orientations, mais il reste une part de professionnalisme quand même chez les journalistes français. Moi, je ne suis pas particulièrement leur ami, mais ça, je le reconnais. Sur la question de l'objectivité, le journalisme a commencé avec l'objectivité. Après, on s'est aperçu que c'était une grande prétention. Nous sommes passés à l'honnêteté, en disant qu'on peut se tromper, mais on peut se tromper honnêtement. Aujourd'hui, nous sommes à l'impartialité, qui est la ligne éditoriale, je dirais, universelle du journalisme. Ma question aux journalistes militants responsables de journaux, quel est aujourd'hui le verdict lecteur? Il récompense votre journalisme militant. Je voudrais qu'on me fasse un tout petit peu le point. Où en sont les journaux militants aujourd'hui? Est-ce que les lecteurs continuent de vous porter? Et sont-ils donc des millions à vous acheter? Ou ont-ils tous disparu? Merci. Zio Moussa vient de l'évoquer. On ne peut pas demander à un journaliste d'être objectif. Bon, on peut exiger qu'il soit honnête. Et c'est la preuve, c'est que, M. Bamba, vous n'êtes pas journaliste, c'est vrai. Mais tous vos exemples, vous les avez pris que dans le Patriote. Quelquefois. Mais la plupart, dans le Patriote. Vous voyez déjà que pour illustrer votre propos, vous êtes obligé de faire un choix. Vous avez fait un choix. Dans la mesure où vous faites un choix, vous n'êtes plus objectif, mais certainement vous êtes honnête. C'est la différence. Donc on demande aux journalistes d'être honnêtes, et ça c'est très important. C'est-à-dire de tout, je ne voudrais pas parler au nom de Jean-Pierre Ayé et des anciens qu'il a cités, mais je vais vous donner une anecdote. Quand moi je suis arrivé de Lille, j'étais à Ivoire dimanche, pratiquement matin d'avoir été à Ivoire dimanche, et puis une fin de mois, je vois sur mon bulletin, on m'a ponctionné 30 000 francs. Je dis, mais d'où ça vient?
Et heureusement pour moi, celle qui faisait nos salaires, c'était une Française. Elle dit non, mais on prend 30, on fait une ponction sur tous les salaires pour le compte du parti. Vous êtes militant du PDCI, vous devez payer 10% de votre salaire. Et mais, madame, chez vous là-bas, c'est comme ça que ça se passe. Et depuis que je suis revenu, je vous ai déjà dit que j'étais militant du PDCI. C'est pour dire, on a fait le travail, on a fait le journalisme sur le parti unique, parfois même sans avoir pris de carte de parti du PDCI. Donc Jean Péraillé, surtout, personne ne peut le voir comme étant un militant. Même LDF, quand il était, bien qu'il ait été secrétaire général, membre du bureau politique, mais dans ses articles, personne n'imaginait qu'il était un responsable du parti politique. C'est pour dire que tout est, M. Bamba l'a dit, tout est dans le contenu de l'article. Tout est dans la façon dont on traite l'information. Tout est dans la façon dont on présente la chronique. Donc, on peut être. Moi, je suis par contre, moi-même, j'ai été militant. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais, quand on est militant, politique et journaliste, le respect qu'on a de la profession doit être plus fort que l'amour du parti. Le respect de la profession, c'est très important. Ce n'est pas parce que je suis un militant d'un parti, et puis je vois que dans la profession, ce qui ne se fait pas, mais comme je suis militant, je vais le faire pour faire plaisir à mon parti, c'est ce qui est mauvais. Or, malheureusement, peu de journalistes militants respectent cela. C'est-à-dire, ils sont plus sous l'emprise du parti politique et ils respectent moins les règles de la profession. Or, ce sont les règles de la profession qui doivent s'imposer. Parce que, quoi qu'on dise, un journaliste, surtout ivoirien, qu'il ait sa carte politique ou pas, il est toujours partisan de quelque chose. Mais moi, je préfère un journaliste politique militant qui s'affiche à un responsable d'ONG qui se dit société civile, qui se cache, alors qu'en réalité, c'est un militant d'un parti qui est assis. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Donc, je préfère l'honnêteté du journaliste qui a sa carte en poche et qui se présente en tant que tel. Donc, ce qu'on peut demander, puisque le problème ici, c'est comment en sortir. Je l'ai dit, il faut tout simplement respecter les règles de la profession. Il ne faut jamais en sortir. Respecter les règles, c'est pas facile, mais si tu as choisi la profession, c'est parce que tu es prêt à te soumettre à cette profession-là. Donc, il faut respecter les règles de la profession. C'est ce qui fait que tout à l'heure, M. Bamba a reproché aux patriotes de ne pas traiter souvent les audits. Mais en principe, moi j'ai dit, hein, il n'appartient pas aux patriotes de traiter ce sujet-là. Il appartient surtout aux journaux de l'opposition de traiter ce sujet. Mais malheureusement, mais heureusement pour nous, à ce sujet-là, à ce niveau-là, la presse de l'opposition est absente. C'est pour cela qu'on sent un vide actuellement. En 90, que vous avez cité, en 91 aussi, tous les Ivoiriens étaient pour la presse parce que nous faisions une presse d'opposition, mais qui donnait l'information juste. L'information juste. Pas parce qu'on était dans l'opposition qu'on donnait l'information parce que bon, tel est au pouvoir. On va donner une information qui n'a pas été vérifiée. Et parfois, Ali Keïta perd son âme, et James Nack perd son âme aussi, passait des heures, des jours et des mois à vérifier une information avant qu'on ne la publie. Or, maintenant, ce n'est pas le cas. Dès qu'on voit sur les réseaux sociaux une information, on la balance. Et c'est ça aussi, quelqu'un en parlait de la concurrence des réseaux sociaux. Les journalistes eux-mêmes, quand ils voient une information dans les réseaux sociaux, ils ne la traitent plus. Ils la balancent. Or, une information, il faut la traiter avant de la mettre à la disposition du grand public. Les journalistes doivent donc travailler, continuer de travailler et toujours faire la différence entre les réseaux sociaux
et les journaux. Merci beaucoup. Alors, le docteur Bamba Sidiki a dit tout à l'heure que le militantisme politique et le journalisme professionnel sont incompatibles. Moi, je prends la parole pour ne pas qu'on jette l'opprobre, sinon l'anathème, sur l'ensemble de tous les journalistes. Il y en a plusieurs ici en Côte d'Ivoire. Moi, je dirige un journal qui contient plusieurs rubriques. Monsieur le docteur, j'ai des journalistes sportifs, j'ai des journalistes de société, j'ai des journalistes de culture, j'ai des journalistes en économie et j'ai des journalistes en service politique. J'ai des journalistes même à l'inter et des journalistes spécialisés en région. Alors, il faut savoir faire la séparation des choses. Je voudrais qu'on soit d'accord ici pour accepter le fait que le procès qui est fait ici est fait aux journalistes politiques. Vous n'allez pas juger dans le même prisme que vous êtes en train de le faire actuellement sur les journalistes en Côte d'Ivoire, de la même manière que le journaliste qui dirige le journal Biche, qu'est-ce qu'il a de politique lui? Vous n'allez pas faire la même chose que le journaliste qui dirige le journal Sport. En quoi est-ce que, s'il est militant avéré, en quoi est-ce que ça l'empêche d'être un journaliste professionnel? Il faut reconnaître aussi le fait que dans les journaux, dans les entreprises de presse, il y a une ligne éditoriale. Quand on est engagé dans l'entreprise de presse, la ligne éditoriale du journal qu'on suit. À partir de là, le travail qui est de récolter un événement et de le mettre à la disposition des lecteurs est fait en fonction de la ligne éditoriale. Et ça, c'est du professionnalisme. Il y a donc peut-être la question de la responsabilité pour ne pas aller impacter sur la stabilité sociale. Peut-être c'est de ça qu'il faut parler. Sinon, les journalistes qui écrivent dans les journaux sont professionnels au regard de la définition et de la ligne éditoriale de leurs journaux. Je voulais aussi vous poser une question. Le 11 septembre aux États-Unis, quand il y a eu l'attaque, je n'ai pas eu écho d'un journal qui s'est mis en faveur, écrit en faveur des djihadistes qui ont attaqué l'Amérique. Mais après, il y a eu des journaux et même des enquêtes sur ce que les Américains faisaient en Afghanistan qui pouvaient justifier le fait que les djihadistes attaquent. Mais pendant l'instant, tout le monde était contre cette attaque. Est-ce que c'était du militantisme dans ces journalistes, dans l'ensemble de tous ces journalistes américains? Voilà un peu ce que je voulais savoir avec vous. Mais vous priez de ne pas mettre véritablement l'opprobre sur l'ensemble des journalistes, mais il faut savoir séparer les choses et parler plutôt des journalistes politiques. Parce que quand j'ai noté vos propos, le militantisme politique et le journaliste professionnel, on n'a pas dit le journaliste politique professionnel, mais les journalistes professionnels sont incompatibles. Or, ce n'est pas tous les journalistes qu'il faut voir sur ce prisme-là. Merci bien. Merci, Madame Crédit, cher consoeur, journaliste qui a porté haut l'étendard des femmes dans ce métier, merci d'être présente. Monsieur le président de l'ANP, Monsieur Kone Samba, mon cher ami, ancien président de l'ANP, Raphaël Lapé, chers amis, des plus jeunes aux plus anciens, et de certains avec qui nous eûmes à cette période-là à traîner nos bosses sur les théâtres d'opération, soit pour faire plaisir à un parti politique, soit parce que nous aurions estimé à un moment ou à un autre que nous étions devenus suffisamment forts, indépendants pour nous en soustraire. Mais la vérité, le thème qui est proposé, Monsieur le Président, je vous remercie de l'avoir proposé. Je vous suggérerais du reste que nous puissions y revenir sur quasiment une journée, voire sur deux jours. Il est tellement important. Il y a tellement de compréhensions diverses, des interprétations aussi, que la seule prise de parole ne saurait justifier à convaincre tout le monde. Or, par définition ici, tous présents comme nous sommes,
les journalistes professionnels. Personne avant l'autre, tous en même temps. Si on est d'accord sur cela, a priori, il n'y a pas de prééminence maintenant. Il y a les qualités intrinsèques de chacun, de ce tatoum que chacun a, parce qu'il est ce qu'il est. Juste le privilège, très jeune du reste, c'est peut-être un paradoxe, de me retrouver à la tête du journal du parti au pouvoir, incarné par l'illustrissime fils Akoué Oufouboigné. Je me suis même demandé pourquoi, puisque je suis de la Maison Bleue, là, à Cocody, et on m'a demandé d'aller porter un bain de jouvence dans un journal dont le frère Bamba a fait référence, le Debdo, avant qu'il ne se transformât, après la vague de protestation de 1990, en un journal qui a épousé l'heure du temps sous, d'ailleurs, l'impulsion du premier ministre chef du gouvernement de l'époque, Ouattara, président de la République aujourd'hui, et j'avais eu le privilège d'avoir le jeune Denis Casillon avec moi dans ma rédaction, ici. Donc nous sommes témoins et acteurs. Alors, professionnalisme et militantisme. Oui, mais si on veut être militant d'un parti politique, mais si on l'est, qu'on vous demande de travailler dans un journal dont la vocation est éminemment politique. Parce qu'au-delà de cette vocation, il y a des aspirations à pouvoir peser toujours sur une opinion qui n'est pas forcément celle qui partage la perception, la gestion, la conception, la réalisation du développement du pays. D'où l'éveil de conscience des universitaires, incarné par le professeur Marcel Sinares à l'époque, et d'autres du CINESI, Laurent Kuhn, et pas mal de secteurs d'activité qui trépignaient de voir aussi leur opinion être prise en compte dans les journaux. Mais c'était moins le fait d'être journaliste politique que la perception dans la société était que il n'y avait qu'une partie de l'élite qui s'exprimait dans les journaux. Alors, comment, au plan philosophique, l'expliquer dans un contexte où on a un pouvoir politique qui est très fort? Comment, comme l'a dit mon ami frère Raphaël Akoué, frère Moulu, l'École supérieure de journalisme de Lille, nous autres bien après, frère Moulu, l'École supérieure de journalisme, et d'autres universitaires qui, sans avoir été à l'école de l'université, sont passés directement à l'écriture. Et qui était à leur avantage, qui n'était pas moins à leur avantage. Donc, Monsieur le Président, c'est une ébauche que nous faisons aujourd'hui. C'est une ébauche, parce qu'on n'aura pas résolu la solution ici. La langue française, si riche, a des vocables qui signifie souvent une chose et son contraire. Et on ne pourra pas, sur la base à la fois de ce que j'ai entendu de Charles Sangati, un jeune frère, parce que le patriote, il naquit chez moi, dans mon salon à la Cité des Arts. C'est une vérité historiale. Que personne ne peut contester, encore moins le directeur de publication assis ici. Il était même trop jeune, il est arrivé dans la troisième vague, mais son brio l'a porté à la tête du journal. C'est dans ma maison que le jeune frère Bakayoko, alors que l'université était en ébullition, que Mabri Touakeu, c'est le jeune étudiant Mercier Ahmed Bakayoko, voulurent qu'un journal de cette nature soit créé afin d'aider le PDC en perte de vitesse sur l'échiquier politique national, et que la gauche démocratique de l'époque, incarnée par Laurent Gbagbo,
avait le vent en poupe. C'était une véritable machine, un cuirassé Potemkin, devant lequel je me suis retrouvé en face de mon ami, Raphaël, ici. Là. Je voudrais simplement dire que je ne veux pas intervenir comme les autres. Je ne veux pas parler de journalisme, de militantisme, de professionnalisme. Mais je veux parler des problèmes de la presse. Parce que j'ai écouté même tout à l'heure des aînés qui aujourd'hui devraient ensemble soutenir, épauler tous ces jeunes qui, en quelques années, ont appris le journalisme, mais qui font l'effort de respecter les règles, même si ce n'est pas toutes les règles, mais qui malheureusement se trouvent dans un environnement économique très, très difficile. Tout à l'heure, j'ai écouté le président de l'ORPED, Zio Moussa, j'ai écouté le président Raphaël Lagbé, qui tous ont lancé des pierres à la presse, alors qu'eux-mêmes ont dirigé des journaux. Les deux. Lagbé a dirigé le Populaire. Il a fondé le Populaire qui a disparu. Il a dirigé d'autres journaux. Zio Moussa a dirigé un journal en pleine crise, Notre Voix. Si. Si. Voilà. Alors, je voudrais dire que tout à l'heure également, j'ai écouté mon ami le docteur Bamba, qui lui aussi a bien fait le procès de la presse. Mais qui lui, quand il a commencé son exposé, j'étais quand même content de l'écouter. Il a parlé de médecin, il a parlé du policier, il a parlé d'autres professions. Mais qui dans ces professions ne se trompe pas? Qui dans ces professions ne commet pas de faute? Pourquoi c'est quand c'est le journaliste que cela constitue un fait grave? Peut-être parce que nous faisons un métier public et peut-être aussi notre plume ou peut-être notre voix peut induire un peuple en erreur. Nous faisons ce qui est connu. Nous pouvons dire que on s'excuse et on s'excusera toujours là où il y a des fautes. Mais je pensais que dans votre intervention, vous alliez également aborder un volet quand même économique. Parce que tout ce que nous faisons, il y a le pouvoir économique. La presse aujourd'hui a évolué, de mon point de vue, parce qu'on a eu quand même à instaurer des structures qui contrôlent, qui régulent, comme l'ANP. Des structures également comme le Fonds de soutien et développement de la presse, qui sont là, qui financent la presse, j'allais dire qui finançaient la presse, et qui ont donné quand même des notes en fonction de ce que vous produisez. L'OLPED, qui aussi contrôle et qui travaille d'ailleurs avec le fonds, toutes ces structures font qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de faire très attention quand vous prenez votre plume et que vous devez écrire, ou même quand vous devez concevoir même la une d'un journal. Tout ceci doit être quand même apprécié. Mais ce que nous vivons aujourd'hui comme crise, c'est une crise mondiale. Des journaux ivoiriens qui tiraient à 50 000 exemplaires ne peuvent plus tirer aujourd'hui 5 000 exemplaires. Il y a d'abord aussi la diversité. Pour des journaux qui ont même une ligne éditoriale, ils sont tous chacun dans son secteur. Le président Samba est là, il a toujours prôné que nous puissions faire un regroupement de ces entreprises de presse pour que nous puissions, on va dire, véhiculer le même message, mais en même temps engranger beaucoup de ressources. Ça, ce n'est pas fait. Deuxièmement, nous avons la question de soutien à la presse. Pratiquement depuis 2 ans, le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de ne plus soutenir la presse. La subvention, elle n'existe plus. Nos aînés et nous, 3 ans, me dit-on. Nous devons ensemble faire corps et échanger avec le gouvernement pour que ce qui a été par le passé
et qui aujourd'hui n'est plus, l'État étant une continuité, nous avons toujours le même le pouvoir, le gouvernement ivoirien, les journalistes, les maisons de presse de Côte d'Ivoire ont besoin de ce soutien. Un soutien de l'État, mais en même temps, excuse-moi, un soutien de l'État, mais en même temps, souvent, quand on parle de fonds de soutien, il y a aussi ce que la presse elle-même donne. Il y a ce qu'on appelle la taxe sur la publicité. C'est tout ceci qui constitue le fonds de soutien. On a l'impression que c'est de l'argent qu'on demande au gouvernement de donner. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit seulement. Autre chose, quand on est ici et qu'on a un distributeur unique qui s'appelle Edipresse, qui a le monopole de la distribution, qui distribue les journaux, qui encaisse l'argent des journaux et qui refuse de reverser cet argent aux éditeurs de presse, au vu et au su du ministre de la Communication, de l'OLPED, du Fonds de soutien et développement de la presse, de l'ANP. Je pense que Oufoué Boigny, la studio dit, l'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Merci Denis. Ce n'est pas parce que vous avez des problèmes de financement que vous devez avoir des lignes ou alors des écrits qui ne vont pas dans le sens de ce qu'il faut, mais c'est tout ceci qui constitue des problèmes de la presse ivoirienne. Merci. Et c'est de cela que nous devons parler et faire corps, nous de la profession, anciens comme nouveaux, pour discuter avec le gouvernement, discuter avec Edipresse ou même interpeller publiquement Edipresse, qui aujourd'hui travaille avec Fraternité Matin, qui est un journal concurrent et qui bloque l'argent de la presse ivoirienne. Je pèse bien mes mots. Merci et je pense que tout ceci, c'est de l'injustice et c'est ce qu'il faut corriger. Merci. Merci Denis. À propos de la distribution, je peux vous annoncer que le ministre a demandé au GEPSI et à Edipresse d'organiser les assises de la distribution pour justement ensemble réfléchir à comment trouver des solutions pour régler ce problème de la distribution. Ça sera fait dans les jours à venir et je pense qu'il a donné pour délai la mi-février. Donc, ce que vous dites est pris en compte par M. le ministre, il en a pleinement conscience. Il a reçu le GEPSI il y a 2 jours, il les recevra, je crois, aujourd'hui. La question de la distribution est une question fondamentale. M. le ministre en a conscience et il a donc mis ses services, sa contribution, pour très rapidement réfléchir sur cette problématique cruciale. Donc, je note que ça s'est pris en compte. Après, pour la mise en commun et l'appel à la solidarité, le message est entendu par les aînés et par tous les acteurs du secteur. Ici, ils vont peut-être donner leur point de vue. Je me devais de dire cela puisque je représente aussi à cette cérémonie le ministre de la Communication et des Médias de la Francophonie. C'était important de le préciser. Merci beaucoup. Aboulaye Sangaré, désolé d'avoir donné la parole avant, mais j'étais dans une forme de continuité, donc j'arrivais vers toi. Merci beaucoup. Voilà, j'arrivais vers toi. Tu as la parole, Aboulaye. Merci beaucoup. Merci. Merci bien, Agnès. Je reconnais mon frère et ami militant de l'entreprise de presse qui a fait un plaidoyer, un cri du cœur. Mon intervention, je ne vais pas être long, je te rassure. D'abord pour féliciter les panélistes et particulièrement le professeur Bamba, dont je partage le diagnostic. Je félicite aussi Zio Moussa pour son courage. Il a mis le couteau dans la plaie. Je pense qu'on est ici, quand je me réfère au thème, pour se parler franchement et de façon sincère. Je pense que c'est la motivation de l'ANP que j'invite, je vais commencer par ma proposition, pour ne pas être coupé et ne pas pouvoir le faire. J'invite le président de l'ANP, j'invite les organisations professionnelles de la presse à se retrouver franchement, sincèrement, dans une salle sans fermer, pour parler du journalisme et des pratiques du journalisme. Parce que tout ce qu'on dit ici, militantisme ou professionnalisme, détresse de la presse au plan économique, tout repose sur la qualité de contenu proposé aux lecteurs, aux annonceurs, même aux acteurs qui gravitent autour de la presse, les politiques, la société civile et tout le reste. Il faut que le produit de presse soit attractif, qu'il attire les lecteurs, qu'il attire les annonceurs. Moi, j'ai fait 4 jours à l'intérieur du pays la semaine dernière. Quand je suis revenu, j'ai trouvé sur mon bureau la pile de journaux. Mais j'avoue que je me suis posé la question, mais pourquoi la presse ne m'a pas manqué? Les piles sont entassées, je n'ai pas ouvert. Mais parce qu'il y a un problème de contenu.
Denis, je suis désolé, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut s'asseoir et parler de la pratique du journalisme. Quand vous avez des quotidiens, les patrons sont là. Vous avez de nouveaux signataires dans la presse aujourd'hui. Même si aujourd'hui vous fouillez la presse, vous verrez un nouveau journaliste, CERCOM. Je prends cet exemple. CERCOM, les services de communication se sont installés dans les rédactions, dans les contenus des journaux, et sont signataires des articles. Mais ce n'est pas possible. Quand vous prenez les journaux, vous avez une interview du président de l'ANP, bon, c'est le mauvais exemple, mais qui est reproduit dans 10 quotidiens, et les gens ont le toupet de signer à Blaise Sangaré, interview réalisée par. Vous reprenez l'interview dans les différents quotidiens, c'est les mêmes questions, les mêmes réponses. C'est des mauvaises pratiques. Et ça ne peut pas continuer. Alors, moi, je prends au mot le professeur Bamba, docteur Bamba. Mon constat, c'est que les principes, les fondements qui ont poussé à la création de l'UNJCI et de l'OLPED, c'est-à-dire l'esprit de 1991, l'esprit de 1995, ces fondamentaux sont aujourd'hui, on s'est éloigné de ces fondamentaux. La confraternité est mise à mal. Pas plus tard que la semaine dernière, je lisais des articles où des journalistes attaquaient d'autres journalistes dans la presse quotidienne. On parle de quoi ? De quelle solidarité ? C'est l'esprit fondateur de l'UNJCI qui a conduit à la mise en place du prix Ebony pour célébrer la confraternité. Quel est l'état de la confraternité aujourd'hui ? Je vous pose la question. L'OLPED a été créé justement pour mettre l'accent sur la responsabilité face à l'histoire de la corporation. Je suis d'accord avec Casion, il faut faire le corporatisme, mais le corporatisme de bon aloi. Il faut revenir aux fondamentaux, à l'éthique de ce métier, aux valeurs, aux règles professionnelles, et c'est important. Moi, j'ai eu la chance d'être le président du comité d'organisation des états généraux en 2012. Tout le monde a participé, on a cru que ça allait être la solution. On a regardé l'environnement global de la presse, tout l'écosystème, politique et juridique et tout, mais malheureusement, je constate que ça n'a pas produit les effets escomptés. Mais je ne propose pas des états généraux de la presse, mais je propose aux responsables des organisations professionnelles, avec en tête le principal régulateur, les états généraux du journalisme. J'en ai fini. Merci. Ce que je voudrais constater au terme des échanges, pour ne pas dire au terme des propos de nos deux directeurs de publication, Monsieur César Etou, Monsieur Charles Sanga, mais également du docteur Sidiki Bamba. Je voudrais tout simplement dire que j'ai constaté un aveu de la part de Monsieur Charles Sanga, mais également de Monsieur César Etou. Les exemples qu'ils ont donnés, ils ont reconnu, à mon sens, leur militantisme avéré et leur professionnalisme, j'allais dire, qu'ils ont dit du bout des lèvres. L'exemple qu'a donné Charles Sanga, directeur de publication du Patriote, il a dit l'absence de Mme Gbagbo est un fait. Alors, nous allons nous demander qu'est-ce qu'un fait, puisque on nous dit le plus souvent que un fait, il est sacré. Si l'absence de Mme Gbagbo constitue un fait, on devrait beaucoup se poser la question. Notre directeur de publication, il est, comme il a dit lui-même, il est maire. Et à travers ce fait, selon lui, qui serait l'information capitale pour ses lecteurs, pour ses militants, entre guillemets. Lorsque je reviens à M. César Etou, il a beaucoup, beaucoup parlé des anciens, Laurent Donat-Fologo,
Il a également parlé de certains journalistes qui ne sont plus, mais qui étaient des véritables militants, entre guillemets, du PDCI, mais on les considérait aussi comme des professionnels, des journalistes professionnels. Alors, en donnant aussi cet exemple, je pense que ce sont des aveux que M. Charles Sanga... Que M. César Etou... Non, je dis, je viens. M. Charles Sanga et César Etou, c'est véritablement un aveu de leur militantisme avéré. Alors, moi, la question que je pose maintenant, est-ce que, à partir de cette table ronde, si je peux m'exprimer ainsi, à partir de ces échanges, est-ce que d'ici quelques jours, ils pourraient nous présenter, j'allais dire, des journaux moins politisés? Est-ce que leur militantisme peut, j'allais dire, être véritablement mis en biais pour que leur professionnalisme soit vu véritablement? C'est la question que je voudrais poser. Merci. On va permettre aux panélistes de répondre et puis ensuite on repassera encore. On a encore du temps. On a encore du temps. Le président nous accorde jusqu'à 13h, je crois que c'est assez important. Nous avons encore du temps. Donc, alors, à chacun de vous, des questions vous sont posées, ou globalement ou individuellement. Mais je crois que la dernière question est celle qui vous renvoie à un engagement à prendre ici maintenant pour demain nous offrir des. Et le Patriote et la Voix originale en tant que journaux moins militants. Vous avez entendu la question donc de Zio Moussa. Non, il a dit moins militant. Je crois qu'il est politique dans le sens de moins militant. Il dit moins politique. Charles, d'accord. Moins politique, moins politiquement militant donc. Donc, okay. Germain Sewé, Zio Moussa, Raphaël Lacoué. Raphaël Lacoué, c'est plus une contribution qu'une question en réalité, une réflexion. Samoua Koubwe, éviter de jeter l'opprobre sur tous et préciser qu'il s'agit bien des journalistes militants politiques, des journalistes politiques militants. Alex Bamba, une contribution à donc se retrouver plus tard ou à une autre occasion de manière à avoir plus de temps pour poursuivre les réflexions. Et c'est Rikba, donc qui vient de poser sa question, et puis Sangaré, donc qui vous en pose donc, et des préoccupations, et des analyses, et des questions. Alors Charles, donc tu prends le premier la parole pour donc balayer, comme tu pourras, les questions qui t'inspirent. Celle de Zio est une vraie demande de clarification en termes de verdict des lecteurs pour récompenser donc le journalisme militant. Il s'agit donc des ventes, en réalité, des chiffres aujourd'hui qui parleraient du succès ou de l'insuccès de vos productions. Merci. Merci Agnès. Pour revenir sur les exemples que le chef Zio a pris, je ne suis pas d'avis avec lui que Goebbels et Himmler, c'était des journalistes, c'était des propagandistes. Si Himmler était le chef de la SS, Goebbels était ministre de l'Éducation, c'était des propagandistes, mais ce n'est pas des journalistes. Non, parce que quand on prend ces exemples, c'est pour nous faire passer pour des gens qui mettons le feu. Même quand on prend la radio libre des Mille Collines, elle a été créée, je crois, 4 ans après le début de la guerre. La guerre est créée par les hommes politiques. La radio a été créée après les accords d'Arusha, si mes souvenirs sont bons, en 1993-1994. Et c'est les hommes politiques qui prenaient la radio de force, en réalité, pour passer des messages. Si. L'exemple rwandais, il est assez connu, je pense, de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, quand ces hommes sont pris, la guerre est créée par les hommes politiques. Ce ne sont pas les journalistes qui créent la guerre. La guerre a commencé au Rwanda en 90. La radio libre Mille Collines est née en 93-94. Donc il y a eu 3 ans, je pense, avant que les propos de la radio ne commencent. Donc je pense qu'il y a la propagande qu'il faut différencier du journalisme de notre métier. Alors la chute du chef Zio sur le verdict du public, en réalité, il n'est pas bon. Mais comme l'a dit Chef Kazion, comme l'ont dit certains, si vous connaissez le journal News of the Week, je crois, qui tirait 2,8 millions d'exemplaires en Grande-Bretagne et qui a fermé. Vous connaissez François, qui a fermé, qui était l'un des journaux les plus lus en France. Il y a plusieurs exemples dans le monde où les journaux n'arrivent pas à supporter aujourd'hui
l'évolution numérique. Il faut forcément qu'on réinvente nos modèles, qu'on s'asseye, qu'on discute. Mais je ne pense pas, par contrairement à ce que Chef Sangaré dit, je ne pense pas que ce soit forcément le contenu. Mon exemple, il est clair. Sama connaît le président Lol Perdela, qui a été mon imprimeur depuis que le journal existe, en quotidien depuis 1999. Nous faisions des tirages de 100 000 exemplaires par jour. Mais c'est le même patriote qui est là aujourd'hui. Hein. Nous faisions des tirages de 100 000 exemplaires par jour. C'est-à-dire 50 000, et puis le soir, on fait 50 000. Depuis 2002, les chutes ont commencé. 2002, c'est une rupture, il y a eu la guerre. Moi, j'ai laissé peut-être la moitié de mon lectorat au nord, en réalité. Et donc, c'est tout ça qu'il faut mettre ensemble. Ce n'est pas forcément que nous soyons de mauvais journalistes. Je ne pense pas que ce soit ça. Ivoire Soir, qui était un journal excellent que moi j'aimais, il n'est plus là. Les chiffres de Fraternité Matin aujourd'hui ne sont pas bons. Ce n'est pas un journal militant comme nous autres. Donc je pense qu'il y a un environnement d'ensemble qu'il faut qu'on regarde. Sinon, je pense qu'on va forcément se tromper. Alors, la dernière question de mon frère Serikba. J'ai pas fait d'aveu. Moi, je n'ai jamais caché. Je suis élu. Donc, le monde sait que je suis militant. Voilà. Le Patriote est un journal d'orientation politique proche du RHDP et du président Alassane Ouattara. Ça, c'est une position que nous assumons depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui. Notre ligne éditoriale, elle est connue. Maintenant, après, ce que j'essaie de vous faire comprendre, peut-être que je n'arrive pas à trouver les termes exacts, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que l'information que nous donnons peut avoir souvent des insuffisances. Peut avoir souvent des insuffisances. D'ailleurs, comme on l'a dit, qui ne se trompe pas? Et je l'ai reconnu dans mon premier exposé, que nous avons forcément, nous faisons des erreurs. Nous faisons souvent des erreurs, on le reconnaît. Mais en même temps, il faut reconnaître que nous ne sommes pas moins des journalistes professionnels. Parce qu'en réalité, n'attendez pas de moi que je traite l'information comme vous souhaitez que je la traite. C'est-à-dire, lis ce que vous voulez voir dans le Patriote. Non. C'est moi qui suis le vecteur de l'information. C'est moi qui la donne. C'est moi qui fais les commentaires. C'est moi qui donne les faits. Maintenant, en même temps, quand je vais vivre un événement, la possibilité m'est donnée, puisque je ne peux pas transcrire tout l'événement dans le journal. Je n'ai que 12 pages. Donc, j'ai choisi ce qu'on appelle un angle. L'angle, déjà, il est subjectif. Le fait de choisir déjà un angle, il est déjà subjectif. Forcément, de par mes convictions politiques, religieuses, sociales ou tout autre. L'angle est déjà subjectif. Et donc là, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, mais acceptez que c'est ça la liberté, vous n'êtes pas forcément obligé d'accepter ce que le Patriote écrit. Comme moi aussi, je ne peux pas être contre vous parce que vous n'êtes pas d'accord avec la ligne électorale de mon journal. Merci beaucoup. Merci. Faut éteindre le micro. Merci beaucoup, César. Alors, je constate que nous, les journalistes, nous sommes les seuls à nous chiffonner toujours sur la place publique. Eh oui. Notre métier a au moins 3 régulateurs. Il y a, je vais citer dans l'ordre de vieillesse, il y a l'OLPED, dont le président est là, Zio Moussa. Il y a l'ANP, et puis il y a la ACA. Tout ça, c'est pour réguler, c'est pour juger les journalistes. Mais je constate que certains journalistes veulent trier dans le magma de journalistes pour choisir de jeter l'opprobre sur les journalistes politiques. Or, le problème est plus profond que ça. Oui, doyen Zio, on peut faire le point. Ivoire Soir est bien mort, de sa belle mort. Ce journal ne faisait pas de la politique. Voilà.
Donc un journal peut mourir de sa belle mort quand les lecteurs l'ont abandonné. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et les exemples sont légion. Doyen Zio, Fraternité Matin, le président de l'ANP l'a dit ce matin que l'ensemble des journaux n'arrive même pas à écouler plus de 15 000 exemplaires jour. Fraternité Matin, le journal gouvernemental qui a pulvérisé des chiffres de plus de 100 000 exemplaires jour dans le passé. Voilà. Bien. N'arrive plus à écouler 5 000 exemplaires jour. Je ne suis pas en train de juger. Je suis en train de faire le constat. Donc, ce n'est pas un dialogue. Il a parlé, on a écouté, il nous a demandé est-ce qu'on a fait le point. Donc, on fait le point ensemble. Oui, moi, je note que les gens nous demandent, le public nous demande, l'élite aussi, de plus en plus, d'aller vers la dépolitisation de nos journaux. D'accord. Est-ce que Guy Abel est là, dans cette salle? Ah, le voilà au fond. La Voix originale a placé au prix Ebony de cette année le meilleur journaliste économique. Le voilà là-bas. Non, on diversifie. Professeur, dans nos rédactions, nous avons toutes les compétences. Nous avons la politique, nous avons l'économie, nous avons le sport. Moi-même qui parle, journaliste politique, j'ai eu une grande chance. Et je le dis tout le temps. J'ai été recruté dans ce milieu, par le monsieur que vous voyez là, Raphaël Lacoué. Sur concours, on ne se connaissait même pas. J'étais déjà militant. Mais il ne m'a jamais demandé ma carte de militant pour me faire entrer. Il ne m'a jamais demandé de quelle obédience politique j'étais pour prendre mes articles et les publier. 5 ans après mon entrée dans ce milieu-là, je suis devenu le meilleur prix Ebony en 1996. Tout en étant journaliste politique et pour des faits politiques. Ce que je dis, c'est qu'il faut s'organiser pour proposer des productions propres. J'appelle productions propres des productions qui respectent les fondamentaux du métier. C'est ce que nous essayons de faire. Maintenant, pourquoi les journaux ne marchent plus? C'est une grande question qu'il faut poser. Et cesser d'accuser les journalistes politiques. Les journaux qui traitent de sport ne marchent pas. C'est là-bas même, il y a ce qu'on appelle la galère. Voilà. Les journaux qui traitent de culture ne marchent pas. Un journal que j'aimais bien, Top Visage, est mort de sa belle mort. Sans faire de la politique. Donc, il y a un problème d'environnement global. À l'heure où on parle, Denis Casio, j'ai appris qu'il y a au moins 40% du territoire national qui ne sont pas couverts par Edipres. Mais à peu près 70% du territoire national reçoivent nos journaux à partir de 15 heures chaque jour, souvent même le lendemain. Alors, quand vous avez tout ça avec la concurrence d'Internet, il faut comprendre que moi, je n'ai pas voulu lier les méventes au fait que les journaux soient politiques. Mon rôle, c'est de faire en sorte que mon journal publie des articles professionnels. C'est ça que nous faisons. Mais si
vous n'arrivez pas à écouler un produit que vous mettez sur le marché, évidemment, les titres vont se ressentir. Et je pense qu'il va falloir tout faire pour se pencher plutôt sur les vrais problèmes qui minent notre milieu, au lieu de chercher à dire « Ah, ce sont les sportifs qui ne savent plus écrire en sport, ce sont les culturels qui ne savent plus écrire en culture, etc. etc. » Oui, nous, journalistes politiques, nous prenons notre part de responsabilité. Nous essaierons de nous améliorer toujours, parce que le journalisme est le seul milieu où on apprend quelque chose de nouveau chaque jour. Il faut être humble. Mais s'il vous plaît, ne faites pas en sorte que il y a des étudiants ici, ils vont sortir de cette salle, ils vont dire, bon, ce sont les journalistes politiques qui ont tué la presse en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas vrai. Je vous remercie. Merci César. Docteur Charles Sanga et César Otou ont donné des réponses. Mais ce que je voudrais leur dire, ils ne sont pas nés militants. Ils ne sont pas essentiellement militants. Ils sont des hommes, comme vous et moi. J'aime toujours donner l'exemple du policier. Vous êtes policier, vous n'êtes pas policier chez vous à la maison, avec votre épouse, avec vos enfants. Vous êtes d'abord un homme. Vous êtes le fils de quelqu'un, vous êtes le père de quelqu'un d'autre, vous êtes le cousin, l'oncle, etc. On ne peut pas être sur toute la ligne militant. Vous êtes d'abord des journalistes. Charles Sanga, le pseudonyme Charles Sanga est connu comme un journaliste en Côte d'Ivoire et non comme un militant. César et tout également. Qui d'entre nous n'avons pas lu d'abord notre voix, ensuite la voix, tes écrits, les écrits de Charles Sanga. Soit dit en passant, le Patriote était d'abord un hebdomadaire avant de devenir un quotidien à partir de 1999. On vous a lu. Il y avait des articles politiques très objectifs. Moi, j'aime le mot objectif. Oui, vous êtes objectif quand vous corrigez vos enfants qui n'ont pas, par exemple, travaillé à l'école ou bien qui ont fait quelque chose de mal à la maison. Vous les corrigez, vous êtes objectif. Vous avez deux enfants qui ne s'entendent pas sur un problème. Il y a un qui a mal agi par rapport à l'autre. Vous les aimez les deux, mais vous êtes objectif en disant la vérité au grand frère, peut-être ce jour-là, qui n'a pas raison. Oui, nous pouvons être objectifs. Le rôle social du journaliste, c'est un rôle social. Vous avez choisi ce métier, c'est un rôle social. Si vous êtes médecin, vous êtes obligé de soigner les gens. Je suis enseignant. L'obligation qui m'est faite, c'est d'enseigner les Ivoiriens et les Ivoiriennes, toute personne étant dans ma classe, de leur donner la même information et de les évaluer de la même façon. C'est ça mon rôle. Donc le rôle du journaliste est un rôle social. Vous avez décidé d'écrire, vous n'écrivez pas pour vous-même. Ce n'est pas de l'écriture intimiste, c'est de l'écriture sociale, c'est de l'écriture publique. Vous adressez aux autres et en vous adressant à eux, vous leur permettez d'apprendre des choses. César et tout disait, on ne finit pas d'apprendre. Donc vous avez un rôle pédagogique. Si le rôle est pédagogique, dès lors, on ne doit pas écrire n'importe comment. Il y a une responsabilité de l'écriture. Et vous savez combien de fois nos esprits sont faibles. Oui, les journalistes, parce que vous écrivez, parce que nous vous lisons, à partir de ce moment, votre rôle est encore plus grand que tout. Quelqu'un est prêtre, il est prêtre catholique, c'est le plus intéressant, vœu de chasteté, et il décide de faire comme nous, les laïcs. Mais on va le critiquer. Acceptez cela. Acceptez que vous soyez critiqué. Et pourquoi nous vous critiquons? C'est pour que vous puissiez mieux faire. Nous voulons être fiers de vous. Il y a un prix, Ebony. Ah, heureusement qu'il y a le prix. Ce prix-là vient attester qu'on ne donne pas le prix à n'importe quel journaliste, sauf celui qui fait du professionnalisme. Même en politique, on peut faire du professionnalisme. Ce que nous déplorons, c'est vrai, il y a un mal général de la presse dans le monde entier. Le mal est que les choses évoluent, mais soyez-en sûrs, lorsque la télévision est née, on a pensé que le cinéma allait disparaître. Le cinéma n'a pas disparu.
lorsque les lecteurs vidéo sont nés, on a pensé que la télévision allait disparaître. La télévision n'a pas disparu. Aujourd'hui, il y a une nouvelle problématique, mais seulement on n'a pas encore trouvé la solution pour que la presse écrite continue d'exister. D'ailleurs, même, elle existe à côté de la télévision, à côté d'Internet, à côté des réseaux sociaux. Chacun a sa place. On doit seulement accepter que le marché qui est si grand, chaque aura une portion du marché et qu'on n'aura pas tout le marché. Donc la presse écrite doit se réinventer. Ce sont les modalités de la réinvention qui n'ont pas encore été trouvées. Donc en attendant cela, il faut que ceux et celles qui sont dans ce métier soient suffisamment crédibles du point de vue du contenu qu'ils proposent. Oui, M. Wakouboué, je suis d'accord entièrement avec vous, comme tout le monde. Oui, il y a des rubriques. Mais à la une, je vous garantis que vous ne mettez à la une dans les manchettes que des informations politiques. Aujourd'hui, on met des informations sportives parce que hier, par exemple, les éléphants ont remporté face à l'Algérie et que nous attendions tous cette victoire, même si on était... Donc, par rapport aux intérêts, mais donc par rapport à ces intérêts-là, les intérêts en Côte d'Ivoire, pour le moment, pour les journaux qui passent au quotidien, sont des intérêts politiques. On a plus d'informations à la une politique que des informations culturelles, sportives et autres. Voilà pourquoi, peut-être par déformation, parce que vous-même, vous nous proposez, nous sommes en train de parler du journalisme. Mais soyez assurés, comme l'a dit Agnès Crédit, non, on ne s'adresse pas aux journalistes qui se trouvent dans la rubrique sportive ou la rubrique économique. Mais si tant il est vrai que si, lui aussi, à son tour, il ne fait pas bien son travail, oui, on s'adresse à lui. On s'adresse à lui. Je ne suis pas d'accord du fait que, par exemple, pour l'entraîneur de Côte d'Ivoire, et par exemple, les éléphants, tous les problèmes qu'ils ont eu de Covid, etc., on n'avait même pas d'informations. Je prends le gardien que j'aime bien. Qui s'est dopé, comment il s'appelle déjà, Beau. Mais pour... On ne savait même pas ce qu'il avait dans les journaux ivoiriens. Nous avons cherché les informations, le docteur Touré est là pour savoir. Mais diantre, pourquoi ce garçon est-il accusé? Tout le monde dit qu'il est accusé, on attend qu'il fasse, on fasse son procès. Mais pourquoi donc doit-on faire son procès? On n'a pas l'information. Donc vous voyez bien que quelquefois aussi, dans certains articles, il y a des choses auxquelles nous nous attendons qu'il n'y a pas. C'est vrai, on ne doit pas faire d'amalgame. Mais quand on parle des journalistes, c'est vrai, c'est de façon générale, il faudra qu'il y ait une vraie prise de conscience pour que ce métier si noble, vous avez fait des choix, c'est un choix comme vous, pour nous enseigner, pour nous dire des choses, pour nous éclairer. Lorsqu'en 90, on voyait les journaux, ce qui se critiquait, tout ça, c'est bien de les avoir. Donc je pense que le journaliste a une vraie responsabilité sociale. C'est au nom de cette responsabilité sociale que vous devez accepter qu'on fasse votre procès. Et d'ailleurs même, vous le faites mieux que nous. Après, vous avez des organes de régulation. La prise de conscience n'est pas aujourd'hui, c'est parce que vous savez que constamment, vous devez combattre dans votre propre milieu pour que les choses soient très bien. Pour cela, je voudrais que Zio Moussa et Barbé, dans leur livre du journalisme ivoirien, ont dit que le journaliste apologétique, le docteur Touré lui parle du journalisme, le griotisme dans le journalisme, ne sont pas des journalistes. Il est classé dans le journalisme professionnel, le journaliste apologétique, celui qui est là seulement pour faire, je vais dire le mot atalakou, mais on m'a dit que c'est un bon Congolais, m'a dit ça ne veut rien dire, mais en Ivoirien on se comprend. Le journaliste qui ne fait que l'atalakou n'est pas un journaliste. Effectivement, c'est un rôle de griot. Ce n'est pas ce qu'on attend de vous, que vous ayez les critiques, de sorte que quand vous parlez, on puisse lire votre papier avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aisance. J'ai fini, Agnès, en disant que l'exemple que je venais de donner tout à l'heure, on vient de me le rappeler, c'est ruer dans les brancards. Je pensais que ça admettait un complément, alors qu'en réalité, ça n'admet pas de complément. Ruer dans les brancards, ça veut dire se révolter. Donc, simplement, Laurent Gbagbo rue dans les brancards, veut dire Laurent Gbagbo s'est révolté. Donc, moi, j'ai écrit notre voix rue dans les brancards à la Alassane Ouattara. Ça ne veut rien dire. Au moment où les patriotes ruent dans les brancards, j'ai lu ça dans les journaux chez moi. J'ai toujours pensé que c'est comme ça. Et vous voyez l'image, ruée dans les brancards, alors que j'étais à côté de la plaque. Simple mise d'information. Merci, docteur. Merci, docteur. Je vais effectivement rassurer Charles et César.
Nous ne sommes pas ici pour rire dans les brancards. Tout à fait. Merci beaucoup. Deuxième liste, deuxième et dernière liste. Nous avons encore une quinzaine de minutes. Allons-y. D'accord. Au cours Légré, Jenny Mexan. Au cours Légré, c'est entendu. Qui d'autre? Les étudiants, vous n'avez pas de questions à poser? Zio, attends. Encore. Je prends de ceux qui ne sont pas intervenus avant. Encore. Karim, oui, je parle d'abord priorité à ceux qui n'ont pas encore parlé. Oui? Si, si. Merci. Oui? Qui veut prendre la parole? Oui? Karine Koulibaly. Merci beaucoup. Comment tu as senti? Alors? C'est bon? Qui d'autre? Donc, je peux revenir maintenant au... Oui? Lamine. D'accord, oui. Si, si, je sais. Zio Moussa et Raphaël Lakoué. D'accord. N'oublions pas que nous sommes vendredi. Il y en a parmi nous qui doivent aller à la mosquée. On va aller très, très vite. On va aller à la mosquée. Denis Mexan. On peut être militant, journaliste, et ne pas être un journaliste politique, parce qu'en mon sens, c'est une spécialité. Comme journaliste économique, etc. Donc, attention, tous ceux qui sont militants et journalistes professionnels, qui se disent journalistes politiques, c'est pas évident, je tenais à le dire, surtout pour vous les jeunes. Alors, autre chose, j'aimerais saluer Dr Bamba, spécialement. Pourquoi, vous le saurez tout à l'heure. J'ai entendu dire qu'on fait du zèle à la RTI. Monsieur David Mobiot est là. Il a dû sursauter dans son fauteuil en entendant Dr Bamba dire cela. Mais on vous laisse la responsabilité de ces propos, qui n'engagent que vous naturellement. Je ne ferai pas de commentaires. Et d'ailleurs, je pense qu'on devrait penser à organiser un débat, un panel sur le traitement d'information dans les médias de service public. Ce serait peut-être intéressant pour qu'on fasse le débat. Et ce jour-là, je pense que nous aurons un face-à-face tout à fait intéressant, Dr Bamba. Et donc, vous avez dit aussi, il y a des messages qui reviennent sous la présidence de... Ce sont des espaces, j'allais dire, spéciaux, de communication, mais pas d'information. Peut-être information pour ceux qui nous sollicitent et qui payent d'ailleurs. C'est les spots agenda, docteur. Ce n'est pas des espaces d'information au sens journalistique du terme. Voilà. Je tenais à faire cette distinction entre communication et information journalistique, au sens où nous l'entendons nous-mêmes, n'est-ce pas? Et puis, que dire d'autre? Je peux être militant politique et journaliste professionnel. Mais on peut être journaliste professionnel et ne pas faire preuve de professionnalisme. Voilà la nuance. Parce que le professionnalisme, c'est cela. C'est le respect, c'est la déontologie, le respect de la déontologie. C'est l'objectivité, à défaut l'honnêteté. C'est la compétence. Le respect des règles de l'art. Donc, j'insiste pour dire qu'on peut être militant et journaliste professionnel. Mais être journaliste professionnel ne dit pas forcément que vous faites preuve de professionnalisme qui est autre chose. Ça, je le dis et je le soutiens. Alors, ce que je voudrais dire également, c'est que ce métier est un métier spécial, noble, particulier. Je le dis pour vous les jeunes. Parce qu'au fond, aujourd'hui, on a beaucoup de journalistes sur la place. Mais parmi ces journalistes, certains manque justement de professionnalisme parce qu'ils n'ont pas eu la formation nécessaire. On ne s'improvise pas journaliste. Il faut avoir un niveau intellectuel acceptable, faire une école de journalisme ou apprendre sur le tard, mais l'idéal, c'est vraiment d'apprendre ce métier. C'est un métier. On ne devient pas chirurgien, médecin, enseignant, qui veut, non, vous savez bien. Je ne peux pas être médecin, je ne peux même pas être infirmier, même garçon de salle. Je pense que ça s'apprend également. Donc c'est un métier, je le dis pour vous les jeunes,
qui voulait embrasser cette profession. Il faut apprendre le métier. On ne s'improvise pas journaliste parce qu'on a eu l'occasion d'entrer dans une radio, dans une télévision ou dans un organe de presse écrite et qu'on s'est essayé à l'écriture. On dit qu'on est journaliste. Non. Il faut connaître. Il y a des règles. Il y a des règles. Je vous le dis. Sinon, vous finirez comme d'autres à la poubelle de l'histoire. Pour parler comme Bamba Alex. Je vous remercie. Je voudrais partir d'un fait. On l'a déjà dit. Les journaux ou bien la presse dont on parle a été créée dans un contexte particulier, un contexte historique particulier. C'était, je dirais, c'est à l'avènement du multipartisme que les journaux dits privés indépendants ont vu le jour. Et ces journaux, en se créant, venaient prendre en quelque sorte le contre-pied d'une presse qui existait, qui était une presse qui était politique. On a parlé de Fraternité Matin, qui était un journal gouvernemental, mais on a parlé aussi de Fraternité Hebdo, qui était politique, qui était le journal du PDCI. Et donc, les journaux qui se créaient, c'était des journaux, je dirais, de contrepoids. On a d'un côté une presse politique, et donc on crée une presse politique pour contrebalancer, je dirais, l'influence de cette presse qui était déjà présente sur le terrain. Et donc, je pense que ces journaux n'ont pas de complexe à se faire. Ce sont des journaux qui sont créés avec un objectif bien précis, qui consistait à rallier, je dirais, les citoyens à la cause des nouveaux mouvements politiques qui venaient de se faire jour. Et donc, ils sont dans leur rôle. Mais là où il se pose un problème, c'est de ne pas avoir l'honnêteté de dire que ce sont des journaux d'opinion. Ce sont des journaux qui véhiculent une opinion. Et soit ce sont des journaux de gauche. Vous voyez, aujourd'hui, quand un Ivoirien se retrouve dans un kiosque avec une multitude de journaux exposés et qu'il voit apparaître un nouveau journal, la question qu'il se pose, c'est ceux-là, ils sont de quel bord? Est-ce qu'ils sont à gauche? Est-ce qu'ils sont à droite? Est-ce qu'ils sont au centre? C'est ça, ce sont les couleurs qui les déterminent. Ils veulent d'abord savoir, avant de mettre leurs 200 francs, bien les 300 francs, dans l'achat d'un journal. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas te faire de complexe. Ce qu'il faut faire, c'est d'admettre que ce sont des journaux qui ont un rôle politique à jouer et se donner les moyens d'assumer cette responsabilité. En tout état de cause, le journaliste d'opinion, c'est un genre journalistique qui est reconnu, qui existe. Et en France, ce sont les journaux qui existent. Quand on je crois que M. Charles Sanga a parlé de Figaro, qui est un journal de droite, Libération, qui est un journal de gauche, Le Monde, qui est un journal de gauche, L'Humanité, qui est carrément le journal du Parti communiste français. Donc, ce sont des journaux qui existent. Mais je pense que c'est ce complexe-là qu'il faut faire tomber. Je pense que c'est déjà un bon début qu'on ait des journaux pour recueillir, comme on l'a dit, les faits, les traiter, les vérifier, et puis les porter, porter les informations à la connaissance des populations. Ce qu'il faut faire au-delà de ce qui existe, qui est déjà bon à prendre, c'est de, je dirais, d'encourager les organes de régulation et d'autorégulation à jouer pleinement leur rôle.
C'est vrai qu'on accuse les journalistes, on accuse les organes de presse. Mais ces organes qui sont en charge de contrôler, je dirais, l'exercice de ce métier-là, mais ils ont leur part de responsabilité aussi. Tout le monde est aujourd'hui pratiquement journaliste professionnel. Comment ça se fait que, je pense que M. Denis Mexant vraiment a résumé ma pensée, on a de nombreux journalistes professionnels qui dirigent des organes de presse, qui les animent. Et aujourd'hui, on se plaint de la qualité de leur production. Il y a un problème. On se plaint de ce que ces journaux ne respectent pas, je dirais, les principes qui gouvernent l'exercice de leur métier, leur déontologie. Il y a un problème. Et cette responsabilité revient peut-être aux journaux, aux directeurs de publication, aux rédacteurs en chef, etc. Mais cette responsabilité revient davantage à ceux qui sont en charge de contrôler l'exercice de ce métier, de veiller à ce que ces organes fonctionnent dans les règles de l'art. Et donc, je pense qu'en termes de propositions, on doit aussi porter notre regard vers ces organes-là. Et puis, la dernière proposition, c'est d'encourager une presse, c'est-à-dire l'avènement d'une presse privée indépendante. Parce qu'on a constaté en 90 que c'était des politiques qui créaient des journaux. C'est des politiques qui créaient des journaux. Un politique, c'est-à-dire quelqu'un qui est secrétaire général d'un parti, qui prend de son argent, qui crée un journal, mais il a un objectif bien clair. Lui, ce qui compte, c'est de faire passer les idées, faire passer une opinion qui soit favorable à son parti. Maintenant, ce qu'il faut encourager, c'est des journaux privés, véritablement indépendants, qui sont le fait de gens, peut-être qui ne sont pas politiquement marqués, mais qui voient, je dirais, en l'organe de presse, une occasion de se faire des bénéfices aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose de viable qu'il crée, un organe qu'il crée, et qui peut, qui en plus, c'est-à-dire pour le promoteur de se faire de l'argent, mais il diversifie les sources d'information des populations. Je pense que, voilà, c'est peut-être à ce prix qu'on aura les résultats que l'on recherche. Merci. Un jour, c'est-à-dire une presse indépendante, une presse professionnelle, une presse peut-être militante, mais une presse qui œuvre dans le respect de la déontologie. Je vous Merci. Remercie. Merci beaucoup. Les hommes politiques à qui les journaux font grand bien en soutenant leurs actions n'ont jamais défendu publiquement les journalistes lorsque ces derniers sont accusés d'avoir mis le feu aux poudres dans le déclenchement de la crise ivoirienne. L'exemple de Marcoussi, c'est un exemple. Et ensuite, lors de la crise, l'OLPED avait adressé un courrier aux hommes politiques pour leur demander de demander à leurs journalistes de mettre pas la terre. Et la réponse des hommes politiques à l'OLPED m'a sidéré. Nous n'avons envoyé personne. Je paraphrase. Et donc, je pars d'un constat. Les hommes politiques n'ont jamais défendu les journalistes. À Marcoussi, ils étaient tous présents. Et l'un des volets, justement, de Marcoussi, c'était de dire que les journalistes sont aussi à la base de la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Donc, j'aimerais, comme vous assumez, ça c'est bien déjà, comment vous vous sentez face à cette attitude qu'on peut qualifier d'ingratitude de ces mêmes hommes politiques? Merci beaucoup. Ma deuxième intervention, le deuxième volet, c'est juste une invitation à nos aînés qui sont massivement présents ici aujourd'hui. C'est de leur demander d'écrire des livres témoignages sur vos années de pratique journalistique. Ça manque. Moi, je vous le dis parce que quand on fait une thèse, moi j'ai fait ma thèse à l'Université Paris 2, Panthéon Assas, puis soutenue à Paris 8, on nous demande sur la professionnalisation de la presse écrite en Côte d'Ivoire, on revient vers les praticiens.
j'ai eu à rencontrer le président Mirmont, le ministre Mirmont, pardon, l'aîné Denis Kazian qui est là, le doyen Samba Kone. C'est-à-dire que pour faire une thèse sur la presse écrite en Côte d'Ivoire ou n'importe quel type de presse, ce sont les témoignages des journalistes que nous allons recueillir pour dire que votre témoignage est très, très, très important. Mais si vous ne dites rien de ce que vous avez vécu, des difficultés que vous avez vécues, ce sont les autres, et dont les universitaires, qui vont dire que vous n'êtes pas. Parce que vous n'écrivez pas, vous ne dites pas, vous n'expliquez pas vos difficultés. Hervé Bouge disait, dans un préface, si la presse écrite en Côte d'Ivoire, parlant de la presse écrite, avait eu les moyens, la presse française, la presse écrite en Côte d'Ivoire serait meilleure que la presse française. Donc, je vous invite, chers aînés, hein, Bamba Alex Souleymane et tous les autres, écrivez, dites-nous comment vous avez vécu le journalisme, vos difficultés, car à votre temps, il y a eu aussi des problèmes. Vous avez connu des difficultés. Donc, produisez des ouvrages et puis écrivez. Pour terminer sur la question de la politisation, Sam Wakoubo est parti. Il a dit qu'effectivement, s'il n'y a pas que les journalistes politiques dans une rédaction, mais on a tous été dans nos rédactions, les journalistes politiques sont les plus importants. Même le deadline, service culture, service sport, 13 heures, allez, c'est bon pour vous, politique, 20 heures. Ce sont les journalistes politiques qui sont les plus importants dans nos rédactions. Il faut être honnête. Les pages, prenez la pagination de nos journaux, 10 pages politiques ou 6 pages, une page pour sport, une page pour économie, une page pour culture. Donc, ils font la politique, malheureusement, dans nos journaux, ce sont ceux-là même, en tout cas, qui... enfin, on les respecte. Hein, c'est, on les respecte, qu'on le veuille ou non. C'est pourquoi le thème de ce matin, professionnalisme et militantisme politique. Mais il y a aussi la presse en Côte d'Ivoire a d'autres problèmes. Denis Kazian l'a dit, peut-être qu'il... L'ANP peut-être aura l'occasion de revenir sur d'autres aspects. Il y a tellement d'aspects de la presse en Côte d'Ivoire qu'on devrait aborder vraiment de façon sereine. Il n'y a pas, on ne cloue pas au pilori qui que ce soit. Il y a des réalités, il y a des difficultés. Et ça se voit. Je vais terminer par, on était aux Ébonies. Le président Damoussa a dit quelque chose de très important. Il a invité les journaux à soutenir la candidature de leurs journalistes aux Ébonies. Parce que quand on lit les productions, on se rend compte que les journalistes font beaucoup d'efforts, mais malheureusement, leurs productions ne sont pas soutenues par leurs organes de presse. Et ça se ressent. Ça se ressent. Donc, Agnès, voici un peu mes propos pour ce matin. Merci beaucoup. Merci, Karim. Nous vous remercions de nous avoir associés à cette rencontre très importante qui détermine aussi l'avenir de la Côte d'Ivoire, parce que la presse joue un rôle très important en ce qui concerne l'avenir de ce pays. Le contexte national actuel des médias classiques en Côte d'Ivoire est marqué par des supports de propagande politique perceptibles à tout point de vue. Et tout à l'heure, cela a été mentionné comme une sorte de caricature, quand on parle des couleurs, les journaux bleus et les journaux verts. C'est une réalité du pays. Et donc, il est difficile de faire la nuance entre journalistes professionnels et propagandistes. Parce que selon l'aspect civil en Côte d'Ivoire, il y a des supports de propagande pour les partis politiques qu'on appelle des bulletins d'information qui, dans la réalité, ne devaient pas être vendus. On distribue gratuitement aux militants de partis. Et ces bulletins se vendent. On se plaint que ça ne marche plus aujourd'hui. Donc la réalité est sociologique. Et on doit l'analyser. Donc ces deux concepts, il faut arriver à faire la différence entre journaliste professionnel et propagandiste, qui malheureusement est mise ensemble, ces deux concepts en Côte d'Ivoire. Cette situation crée une confusion totale. Le journaliste propagandiste, s'il faut l'appeler ainsi, est collé à une idéologie dominante de la chapelle politique pour laquelle, effectivement, ils se battent bec et ongle. Puisqu'on peut se positionner comme, effectivement, personnalité politique en étant propagandiste, pour devenir député par la suite, avec des intérêts inavoués.
Et ce comportement était préjudiciable à la Côte d'Ivoire. On a connu des crises successives et les journalistes sont impliqués. Et j'ai dit, ils sont importants pour l'avenir de ce pays. Mais si on doit sombrer ensemble, cela est inquiétant. Donc il est nécessaire que nous puissions ensemble apporter notre contribution en termes de formulation de recommandations, parce que cela est capital. Il faut faire la différence, et je pense que les instances de régulation sont présentes, de faire la différence à partir d'aujourd'hui et maintenant entre journalistes professionnels, et nous voudrons vraiment cela, et propagandistes politiques. Et ensuite, de respecter les règles de la profession. Et c'est le rôle primordial des instances de régulation. Si aujourd'hui on nous réunit pour parler de journalisme et militantisme, cela veut tout dire concrètement. Et que les instances se battent pour que demain on ne puisse plus dire journaliste et militantisme, simplement journaliste professionnel. Merci. Et je tenais déjà à saluer mes aînés qui sont là. En tant que jeune, je suis dans le métier, je me revendique en tout cas dans le métier depuis 2006, mais on va dire que je suis journaliste diplômée depuis 2015. Et donc, je salue mes aînés, Madame Agnès Crédy, les directeurs de publication pardon, des grands journaux. Salutations. Alors, moi, je conçois la profession de journaliste comme des porte-parole, c'est-à-dire qu'on est là pour, en fait, avoir un rôle d'amplification, en fait. Et quand moi, je suis venue au métier de la communication, ce qui m'a passionnée dans le journalisme, c'est de pouvoir traiter l'actualité, traiter de ce qui se passe et des réalités qu'on vit. Malheureusement, j'ai constaté qu'il y avait plus de propagande politique que d'informations réelles. Ce qui m'a menée à désirer apprendre le journalisme ailleurs. J'ai été un peu déçue justement d'avoir affaire à cette propagande-là. Et aujourd'hui, je suis contente d'entendre ces remises en question et de, on va dire, de noter que c'est une réalité que tout le monde a remarqué. Et je salue vraiment le professeur Siddiqui parce qu'il a mis des mots sur ce que j'espérais vraiment entendre, en fait. Voilà. Mais la réalité est que la déontologie, en fait, fait face à de réels défis. Pour moi, ils sont sous deux axes. Et ces défis-là sont des réalités économiques, socio-économiques, j'allais dire, mais en même temps, des réalités historiques. Socio-économiques, parce que justement, quand on a faim, on ne peut pas parler correctement. On disait, un homme qui a faim, ce n'est pas un homme libre. Tu as faim, à quel moment tu vas discuter, parler, débat, tu as fait. Donc, il faut manger. Les journaux ont besoin de vivre. Donc, c'est une réalité, c'est une pression sociale. On ne peut pas nier ce fait. En outre, la réalité historique, elle est celle-là qui dit qu'on vient du multipartisme et aujourd'hui, on est en train de partir dans... parti unique et on est en train de partir aujourd'hui, on est en train d'évoluer. Moi, j'estime qu'on évolue encore toujours vers la prise de conscience en fait du multipartisme en fait. C'est ce qui nous met en face de propagandistes, journaux propagandistes, je le dis avec vraiment beaucoup d'humilité, mais c'est ce que je constate. Le Patriote, franchement, c'est EDS, c'est RHDP, c'est la réalité. Les journaux bleus, c'est Gbagbo, c'est tout ça. Et franchement, pour nous les jeunes aujourd'hui, on a envie de voir d'autres choses, on a envie de voir de l'indépendance, on a envie de pouvoir dire les choses sans avoir peur que quelqu'un nous tape sur la tête. Et surtout le culte de la personnalité, franchement, ça me fatigue. Personnellement, c'est quelque chose qui me fatigue. J'ose le dire, mais ça me fatigue. Partout, et ça me crée des problèmes, même avec parfois mes hiérarchies et tout ça. C'est fatigant. Donc voilà, ce sont ces réalités-là. Et pour moi, je salue aujourd'hui M. César et tout, qui a parlé d'humilité. Et donc, il faudrait qu'on prenne, en tant que journaliste, j'appelle tous mes devanciers, tous mes aînés à dire vraiment, il faudrait qu'on ait l'humilité de se remettre en cause, de ne pas avoir ça comme un procès, mais plutôt des critiques constructives pour qu'on puisse être vraiment crédible sur la place internationale. Pourquoi je le dis ? Je milite pour l'Afrique, moi, de façon générale. J'estime qu'on a tellement de choses chez nous et qu'on n'a pas tout le temps à regarder ce qui se passe de l'autre côté. Mais aujourd'hui, quand un étranger vient en Côte d'Ivoire, il ne peut pas choisir un journal comme ça au hasard et puis avoir vraiment la réalité de l'information. Non, il doit savoir les réalités sociales derrière chaque
derrière chaque ligne éditoriale d'abord, avant de pouvoir lui-même faire son analyse et puis tirer la réalité, en fait, sociopolitique. Et ça, franchement, je trouve ça déplorable. Merci, Karine. Vous êtes brillante et ne vous en faites pas, vous avez un bel avenir. Merci beaucoup. Monsieur Zio Moussa et Monsieur Raphaël Lopé, je vais me permettre de vous censurer. Et j'assume pleinement. Je vais donc donner la parole à l'ami du pape. Et après lui, je vais redonner sa parole à l'ANP. Merci beaucoup. Non, pas un mot, président. Non, merci. L'ami du pape, à M. Zio Moussa, c'est un militantisme qui est défavorable à la construction d'une approche inclusive. Je suis désolé. Je ne donne la parole à personne. Si tu ne parles pas, personne ne parlera. Très bien. Je vais donc faire un tour de table en donnant la parole aux panélistes pour leur dernier mot. Pas le dernier mot de votre vie, mais le dernier mot de ce jour. Merci beaucoup pour ce panel. Bien, je voudrais remercier tout le monde. Je pense que cette session nous a permis de nous parler, puis ensuite de comprendre un peu de chacun et de chacune d'entre nous. Mais je voudrais surtout... pour terminer, dites que moi j'ai foi que la presse ivoirienne n'est pas, nous ne sommes pas condamnés, on n'est pas maudits. La Côte d'Ivoire est un grand pays, et je pense qu'elle a droit à une très grande presse, et je voudrais embrayer sur les propos de mon ami Cassion, pour dire qu'on attend beaucoup, surtout pour ces mois et ces années qui arrivent, de la presse ivoirienne. Pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne juste le patriote, nous avons notre part à jouer. Nous tirons les leçons de ce que nous avons pu apporter de positif ou bien de négatif dans la vie socio-politique et démocratique de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, nous allons encore plus nous affirmer comme un média, un journal professionnel, parce qu'il y a l'ANP, il y a un certain nombre de doyens donc qui vont nous accompagner. Parce que nous sommes aussi jeunes et je voudrais vraiment vous remercier d'être toutes venues et toutes venues à cette session. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Charles. César. Merci la reine. Je voudrais dire ma conclusion en deux phases. La première phase, ce sont mes convictions. Oui, un militant politique peut être un bon journaliste professionnel, s'il est honnête et respectueux des règles et principes de base du journalisme. C'est ce que nous avons entendu ici. Charles, tu peux éteindre pour toi. Non, un militant politique ne peut pas être un bon journaliste professionnel s'il n'a que l'esprit partisan et la malhonnêteté politique comme principes et règles déontologiques dans sa ligne éditoriale. De même, autant un journaliste non politiquement engagé a des chances d'être un bon professionnel en respectant les mêmes règles, autant il peut être la honte de la profession s'il est corrompu, malhonnête, adepte du gain facile et chasseur de primes ou gombo. Et vous savez très bien que notre métier en foisonne. Sur les difficultés, et c'est là que je vais chuter, non. La presse, les militants politiques qui sont de bons journalistes, parce qu'il y en a, ne sont pas à la base ou exclusivement à la base des difficultés que connaissent la presse. Un, la presse est mal distribuée. Ça, c'est une réalité. Deux, les Ivoiriens, nos lecteurs, sont devenus plus pauvres. Celui qui ne sait pas ça, il ne peut pas évoluer. Les Ivoiriens sont devenus très pauvres. Avoir 300 francs, c'est plus facilement destiné au garba, n'est-ce pas, qu'acheter un journal. Les Ivoiriens sont, je dirais, blasés. En sport, vous constatez que nos terrains de football ne se remplissent plus. Les Ivoiriens n'ont plus l'argent pour aller s'amuser.
sont blasés en cinéma. Il n'y a même plus de salle de cinéma en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont blasés aussi en politique. Bien sûr, les journaux qui sont d'obédience politique en pâtissent. Enfin, la presse a un nouveau concurrent. Ça s'appelle Internet. Je pense que ce sont toutes ces difficultés-là qu'il faut visiter pour comprendre ce qui se passe. Nous, journalistes et militants, on va continuer à être très professionnels, très respectueux des règles du métier. On va même diversifier. C'est pour ça que La Voix originale peut placer un prix et boni économique, alors que c'est un journal d'obédience très politique. Mais en même temps, il va falloir faire face à toutes ces difficultés. Oui, Karine, nous avons compris votre appel. Pour ne pas dire ton appel, parce qu'on est des confrères et consoeurs, ton appel a écrit des livres sur notre carrière, sur les mots que nous traçons dans ce milieu. Parce que je comprends que, en général, quand un journaliste écrit, c'est souvent pour s'ériger lui-même en censeur aussi. La preuve est là. Le professeur est venu avec un livre, mais un livre qui parle de désinformation et de... n'est-ce pas? Alors, il va falloir que quand même on écrive sur les réalités de nos parcours pour que les gens comprennent ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et ce qu'on compte faire, parce qu'un journaliste, paraît-il, reste toujours accroché à son métier et meurt au micro ou la plume à la main. Il sent même que des journalistes sont morts à leur rédaction. Cela existe. Voilà ce que, modestement, je peux promettre en disant que nous continuerons de rester humbles et à l'écoute de nos lecteurs qui sont nos seuls vrais juges. Merci beaucoup. Merci César. Docteur Sidiki Bamba. Merci Agnès. Comme je l'ai dit au début, c'est un honneur. Ça a été un honneur de voir des visages et de les revoir. Je suis un observateur de la scène politique ivoirienne, de la scène journalistique. J'ai la chance que mon voisin de classe du lycée, Victorien Angoua, nous avons fait le lycée d'Aoukour ensemble. Il est là, il est journaliste. Et dans tous ceux qui m'ont côtoyé ont pensé que j'allais être journaliste, je ne le suis pas. Mais c'est un métier que j'adore. Si jamais on arrive chez Dieu, que les journalistes existent, peut-être que là-bas, j'en serai un. Je veux dire que c'est un pied noble. Tout ce que je le dis avec le cœur. Parce que vous ne pouvez pas savoir combien de fois on se sent blessé. Pour des hommes et des femmes qui ont décidé de parler de leur pays et de parler des conditions de vie des gens et de tout ce qui va dans la nation. C'est un travail qui demande beaucoup de courage et qui est très mal rémunéré. Très mal rémunéré. J'en veux pour preuve que si les journalistes, Césaire, toi, parlaient de Gombo, oui, le Gombo existe pourquoi? Le Gombo existe parce que les gens n'ont pas de salaire, donc ils se payent sur la bête. Nous le savons, ce sont des réalités de notre pays. Il faut que nous combattions cela pour redonner à ce métier-là toute sa noblesse. Mais tout cela est parti de notre propre histoire. C'est la naissance du pluralisme politique. À partir de ce moment, les journalistes devaient devenir privés. Pourquoi dans ce pays mien, les écoles privées foisonnent et marchent et les journaux privés ont des problèmes? Donc nous devons forcément repenser les choses pour que le journalisme... On n'est pas encore à nous interroger sur le journalisme entre professionnalisme et militantisme. Il y a des raisons endogènes qui participent à cette réalité-là, qui fait que les journalistes sont obligés d'être
je vais dire, des, quelquefois des soufflures des hommes politiques, des porte-voix des hommes politiques. Si ça peut se faire, mais il ne faudrait pas que ce soit la permanence, il ne faut pas que ce soit la continuité. Il faut que quelquefois il y ait des ruptures pour nous faire comprendre que c'est un métier critique et de critique. En termes de recommandations, ce que je puis dire, il n'y a qu'un seul mot, la formation. Se former sur l'État ne veut absolument rien dire. Je le disais tantôt à un ami, les mécaniciens se forment sur l'État. Et vous voyez ce qu'ils font en nos voitures. S'il y avait des mécaniciens bien formés, on n'aurait pas à retourner dans nos garages chaque fois. Qu'on ait le courage, dans ce pays mien, d'exiger les journalistes qu'ils aient des diplômes, c'est très important. N'est pas journaliste qui veut. J'aime à dire à mes amis, je connais bien le corps humain. Je peux vous réciter toutes les leçons du CM2, de ce que j'ai fait en troisième, mais je ne puis être infirmier, encore moins médecin. Des grâces. Un journaliste, il y a des exigences pour son métier. Apprenez votre métier et faites en sorte que ceux qui sont en face de vous puissent vous respecter, parce qu'ils savent que vous respectez vous-même votre métier. Je vous remercie. Merci docteur, merci pour ces mots de conclusion. Je vais donner il existe le Cénacle des journalistes seniors, qui est un rassemblement de professionnels à la retraite, aguerris, expérimentés, qui ont décidé de se mettre donc au service de la communauté professionnelle. Je veux, au nom du Cénacle, donner la parole à Zio Moussa, pour qu'il puisse dire un mot et se racheter, parce que sinon il va m'en vouloir. Bien, je ne pourrais pas parler, mais... le président m'y autorise. Ce que je peux dire, c'est que nous devons multiplier les forums, les lieux d'échange, les lieux d'écoute, mais aussi réinventer le journalisme en réinventant les solutions à nos problèmes. Nous en avons beaucoup. Et l'État dans lequel se trouve aujourd'hui notre presse, qui mérite mieux, doit nous interroger. Raison pourquoi nous avons en prévision, je ne parle pas du Cénacle, mais en tant qu'autorégulateur, un séminaire sur médias et bonne gouvernance et un colloque sur l'avenir de la presse. C'est simplement d'autres lieux de formation, d'autres lieux d'interrogation, mais d'autres lieux de recherche de solutions. Au Sénégal, quelqu'un qui n'est pas des médias comme Youssou N'Dour a encore des journaux qui tirent à 100 000 exemplaires. En Algérie, j'ai entendu plusieurs fois que El Chourouk tire à 800 000 exemplaires. Au Ghana, à côté, ils ont aussi des difficultés, mais des journaux qui tirent à beaucoup d'exemplaires encore et qui vendent beaucoup d'exemplaires. Pourquoi la presse de la Côte d'Ivoire, qui est la locomotive de la sous-région, pourquoi c'est sa presse qui doit être dans cet état aujourd'hui où le plus vieux, le plus ancien des journaux ne tire même plus 10 000 exemplaires et n'en vend pas plus de 5 000 par jour? Ce sont des questions auxquelles nous devons répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Zio Moussa conclut en nous renvoyant à des questions, alors que nous étions censés sortir d'ici avec quelques propositions. Le débat n'est donc pas clos. L'ANP a ouvert la porte, l'année ne fait que commencer. Créant d'autres espaces de rencontre, comme vous le demandez, pour que nous puissions nous retrouver autour de cette profession cruciale, centrale et vitale pour la communauté humaine. Moi, je suis fière d'être une militante. Je suis une journaliste militante et je suis surtout et je suis militante parce que je suis militante d'un journalisme professionnel, crédible, responsable, impartial et honnête. Je suis, oui, une journaliste militante, mais militante d'une profession professionnellement reconnue pour son impartialité
et sa crédibilité. Je nous invite à cela, à nous engager à être des militants d'un journalisme professionnel et non simplement des journalistes militants politiques. Je vous remercie, vous souhaite une bonne année 2022 et à très bientôt.